Et lui les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog dissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Dragon Quest Builders sur PlayStation 4. Je rappelle, une console qui m'a été offerte par 7. Encore une fois, un immense merci à toi. Nous sommes actuellement dans notre base. Est-ce que par hasard on aurait des choses à grignoter qui seraient réapparues dans l'inventaire? Ça a pas l'air extrêmement plein, hein. On va faire 100 du coup. Ça aurait été cool aussi que je puisse créer des... Comment on appelle ça? Des petites... J'arrive plus à retrouver le nom. Graines. Pour les cactus. Ah! J'ai presque envie de tenter de faire des trucs de repousse-tout. Ah, j'avais oublié ce détail! Non mais j'ai vraiment l'impression que mon arme ne sert à rien, je leur fais rien en dégâts quoi. On va mettre d'autres types de pierres si possible. Parce que si j'ai cru comprendre ça, ils n'arrivaient pas à le casser. Est-ce qu'il me reste l'obsidienne ? Ou tout autre bloc extrêmement solide qui pourrait m'être pratique. C'est un petit manque, tout était cassé là, dis donc. J'hésite à faire des blocs de repousse-tout. J'avoue que là, je ne sais pas trop comment me débrouiller. Parce que ça, ils peuvent tout casser. On va tenter comme ça pour voir de faire le combat. Je vais juste me recréer. Heureusement que je suis rentré rapidement. Juste me recréer peut-être une arme. Quoique non, des épées, j'en ai encore plein. C'est plus une masse qu'il me faudrait. Quoique c'est vrai que je pourrais les prendre avec moi pour aller me battre en fait, maintenant que j'y pense. Je le fais jamais, mais peut-être que ce serait une bonne idée. Dommage qu'on ne sait pas exactement combien cela prend en puissance. Parce que j'aurais été bien content de le savoir. Ce que je vais faire. C'est que je vais casser régulièrement des blocs ici. Les deux, si je peux. Pardon, les bains publics, désolé. Ça va pas arrêter de clignoter, du coup. Incroyable, c'est horrible. Objet, qu'est-ce que j'ai d'autre comme type de mur qui pourrait être utile? J'ai cela aussi qui ne se casse pas, fondation de forteresse. Bon, pour l'instant on va laisser comme ça et on va essayer d'aller parler à la dame. On verra bien comment les choses vont se passer, dans le pire des cas on va souffrir le martyr. Mon moment, on aura essayé. D'accord? Allez hop, on se lance. Voyons voir... qu'est-ce que je... Je vais d'abord me débarrasser une partie de mon inventaire. Voilà, et allons parler à la petite dame. Va falloir s'accrocher, Iti, l'armée de la magma est en route. Je crois que les nouvelles armes qu'on a fabriquées leur ont fichu la patoche. Ils arrivent pour nous obliger à fermer boutique.
tant qu'on a assez d'obus de glace prêts à l'emploi, on va pouvoir donner une bonne leçon à ces brûle-femmes. Tandis quoi, est-il prêt à montrer à ces monstres ce qu'on sait faire? Allons, tente. J'avance plus beaucoup dans mes recherches en ce moment et ça me met sur les nerfs. Y a rien de tel pour me vider à la tête que de taper sur des monstres. Tu m'en laisses un peu, d'accord? J'espère qu'elle est puissante, hein, sinon... Quelle quiche. Où qu'ils sont? Et ils sont déjà là. Alors je sais même pas comment ils sont montés jusqu'ici. Va falloir qu'on m'explique. Comment ils ont pu monter? Faut qu'on m'explique là. Voilà, le problème c'est que... Il le pousse vers moi à chaque fois. Faudra qu'on m'explique du coup comment ils ont réussi à passer. Bon, s'ils ne font que nous envoyer ces choses-là, c'est on est bon. Il en reste un dernier. Alors lui apparemment je peux pas l'interrompre. Ah d'accord, en fait il se tourne vers les autres mais c'est moi qui vise, ok. Ah non, peut-être pas tant que ça. Ça y est, on les a eus. We did it. Alors encore une fois, je sais pas comment les monstres ont pu réussir à passer. Mince, je suis une quiche. Bah ouais, quelle quiche, il y avait une porte ici. Forcément. Par contre, ils ont dû casser l'éclairage qu'il y avait ici avant. Éclairage, objet. Faire le tri, on va le balancer, on va le ranger. Il me faudrait... Un éclairage, s'il vous plaît, merci. Alors, mission suivante, voyons voir. On va aussi manger un petit morceau, si possible. J'ai plus rien. Ça rapporte combien les petits biscuits là? Allez, ça fera déjà pas mal l'affaire. Ensuite, c'est Patriceps, tu leur as mis une belle raclée à ces monstres, Riti. Mais quand même, quand je vois ces sales bêtes débarquer en ville, j'ai toujours peur qu'ils ravagent tout. Ça m'a donné à réfléchir. Pourquoi on construit pas tout simplement un truc qui les tiendrait à l'écart de notre planque? Tiens, regarde le plan que j'ai dessiné. Si on avait un machin comme ça devant l'entrée, ces saletés pourraient même pas nous atteindre. Je crois que le meilleur coin pour l'installer, c'est ici. Vas-y, t'as qu'à l'essayer, construis cette palissade à repoussoir, et je suis sûr que ça améliorerait nos défenses. Dites-moi que c'est pas trop grand et pas trop... Comment ça, je pensais que j'avais rien dans la caboche et que je savais que soulever des haltères? Haha. Tu vas pas avec le dos de la cuillère, toi, pour être honnête, je croyais comme toi. Et puis, j'ai eu cette idée. Bon, faut voir si ça vaut le coup. Construis la palissade à repoussoir comme elle l'est sur le dessin et on verra si elle marche.
Bah ouais, je récupère pas ça. Non! Mais non, mais quelle quiche! Pardon. Désolé. C'était pas voulu. Où est-ce qu'ils sont les escaliers? J'avais de l'ops. Non mais en plus je fais n'importe quoi là, faut que je repose du sable. Non mais cette quiche. Une catastrophe ambulante là ici. C'était moche ça quand même. Comment puis-je me débrouiller pour récupérer ça en fait? Bah je crois que c'est tant pis pour moi hein. Non c'était cool, au moins ça allait empêcher de passer quoi. Sans que ce soit prise de tête. Alors, allons plan, son plan. Voilà, le retour de l'atelier. Moi qui m'étais donné tant de mal pour utiliser la... l'obsidienne, quoi. Je suis totalement déception. Voilà, alors là, il faut quoi? Il faut... Ah mais en plus c'est pas à la bonne hauteur. Je suis tellement déception, quoi. Quoi que je vais peut-être faire autrement, en fait. Je fais rien que des bêtises. Des bêtises quand t'es pas là. Voilà, si maintenant je fais comme ceci. Que je fais comme cela. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut donc dalles violettes. Il m'en faut 9, je suis même pas sûr de pouvoir en créer. Il me faut 9 dalles violettes, 9 repoussoirs et 9 plaques d'activation. J'ai pas de dalle violette. Oh, il faut de la glu orange. Voilà. Bon, où est-ce qu'on avait des blobs orange? Ah bah, juste à côté. Nickel! Parfait. Cher petit blob orange. Vous remarquerez que depuis le début de la partie, je n'ai récupéré que 2 hommes, malgré le nombre de bestioles qu'on a tuées. Hein. Ils sont déjà en train de réapparaître, quoi.
Bon, c'est sûr, quand on veut loot, l'avantage avec cela, c'est qu'il donne quelque chose à chaque fois. Mais voilà, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non, mais quitte à faire un génocide, autant le faire jusqu'au bout, hein. Il a fait nuit pile au bon moment. Aïe. On va tenter avec ça du coup. Je préfère quand même quand il y a du loot à chaque fois, hein, qu'on se le dise. Alors, dalle violette, c'est avec ça. Ok, et ensuite il me fallait quoi d'autre? Non mais... fabriquer. Normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Allons voir ça. Prenons ce dont j'ai besoin, donc ça il me le faut, emporter, oui, pourquoi je n'ai pas plus d'interrupteurs, ils sont passés où? Ah, je les ai pas construits. Donc les dalles violettes vont là. Si à la fin de nuit tout le monde va aller se coucher. Non mais... je passe le dialogue parce que je voulais pas lui parler à la base. Mais je crois que j'en avais fait plein. Pourquoi j'ai pas pu en créer plus? Qu'est-ce qui me manque? Des ressorts. Donc... il fait quand même que je ne me trompe pas. C'est bon. Ensuite. Ok, elle se place dans l'autre sens. Ça aussi c'est pas pratique, hein, de le savoir, je trouve. Et voilà. Ah, efficace. Limite, ça va se demander si ça vaut pas le coup de... d'en faire partout. Alors, vous souvenez-vous, est-ce qu'il y avait de l'obsidienne?
Limite, j'ai envie de faire ça sur tous les murs. Pourquoi s'embêter? Hein? Si on peut le faire. Quoique là, ça vaut pas le coup parce que c'est indestructible normalement ça. Sur ce mur-là, ça aurait été plus intéressant. Quoique, les trois trucs indestructibles. Ah, la violence! De toute façon, faut que je bouche ici. Et je fais encore des bêtises. Petite dalle violette. Qu'est-ce qu'il me reste comme objet qui me permettrait de construire? Considère que c'est toujours pas reconstruit. Pourquoi? Pourquoi les bains ne sont pas considérés comme reconstruits? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Pourquoi ça ne veut pas reconstruire les bains? Peut-être parce qu'il manque un coffre. Quoique c'est pas ça. Le baquet, je crois qu'il y est. Les portes-serviettes, il en faut 3, ils y sont, il me semble. On va quand même revérifier. Ah non, il manque un porte-serviette. Il manque un porte-serviette. Chambre des athlètes. Non mais... Sérieux quoi? Ah, y'en a marre. Comment ils font pour arriver là, eux? Comment ils font pour monter et tout bousiller? Ah ouais, d'accord, ils creusent des trous ici. Dans le genre, j'en ai absolument rien à schtroumpfer. Non, c'est pas vraiment ça que je souhaitais poser, mais c'est pas grave. Voilà. Et on disait les bains. Bâtiment, aménagement... Comment ils l'ont appelé ? Ah, chambrer les athlètes, non c'est pas ça. Bain des athlètes. Enseignerie, épée d'apparat, bloc d'eau chaude, 12. Porte-serviette 3, baquet 2. Épée d'apparat 2, 1. 1. Donc qu'est-ce qui manque là? On a bien les deux baquets. Ah, ils essaient de rentrer mais... Ah les pauvres, ils peuvent pas. Et ils mourront à l'extérieur. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc ça c'est bon. Deux baquets, on a bien ça. On a bien l'éclairage. Donc qu'est-ce qui va pas là?
Qu'est-ce que c'est qui manque? Je comprends plus rien, décidément. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui manque? Me dites pas que c'est ces trucs-là là, qui gèlent. Attends, on va tenter un truc. Voilà, c'est parce que ça considère que c'est pas l'extérieur là-bas. Bon bah voilà, on a la réponse. C'est très malin. Est-ce qu'ils vont un jour réussir à rentrer? Bref, voyons voir ce qu'il me dit lui. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, t'as fabriqué une balayette en repoussoir. Quand les monstres poseront leurs sales pattes sur les plaques d'activation, ils déclencheront les pistons et prendront une de ces baffes. C'est un plan qui se tient, hein, non? Je commence à me dire que j'ai le cerveau aussi balèze que le reste du corps. À vrai dire, j'ai toujours eu l'impression d'être un poids pour les autres, et je te parle pas d'Alter. Abarine fait marcher sa cervelle pendant que nous, les gars, on passe nos journées à faire marcher nos muscles. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver une idée pour essayer de protéger la base. Si ça marche, les pistons repousseront les monstres loin de Cole et on pourra les combattre hors de la base. Comme ça, on pourra se donner à fond sans avoir peur d'abîmer notre planque. Bon, quelle sera la prochaine mission? Là. Barbarine. Si c'est pas mon vieux pote Titi, je te cherchais justement. Depuis que tu m'as construit cet atelier, j'avance bien dans mes recherches. Je crois que j'ai trouvé comment fabriquer des armes magiques. Si j'ai bien compris, tout tourne autour de ces cristaux d'énergie. C'est des pierres spéciales qui permettent de stocker un paquet incroyable d'énergie. Les notes de Galiléen disent que c'est comme les fabriquer, pas comment les fabriquer, mais il y a la liste des ingrédients qu'il nous faut. Pour commencer, il te faut quelques mécapuces, ces machins, qui contrôlent les mécas chasseurs de Galenholm. Avec ça, on pourra combiner l'énergie des orbes de glace, des brûles-gel et des orbes de feu, des brûles-flammes. Iti, il faut que tu mettes la main sur tous ces matériaux et que tu me fabriques quelques cristaux d'énergie. Tu peux t'en servir pour fabriquer des lingots magiques, des sortes de barres faites d'un métal spécial qui déborde d'énergie magique. Dès qu'on aura quelques-uns, on pourra fabriquer des armes magiques vraiment puissantes. Si on avait des armes magiques, on pourrait détruire cette magmasse. La guerre serait terminée et le soleil brillerait à nouveau sur Cole, comme dans le temps. Alors c'est où? Cristal d'énergie. On va en faire le maximum, hein. Lingot, j'imagine que c'est là-dedans. Ah bah non. Non mais... Lingot magique, c'est là. Canon magique. Mantique magique qui dégomme les ennemis avec un méga bang massif. Une fois placé, active-le en appuyant sur croix. Marteau de Hela. Marteau aussi pesant que sacré. Attaque plus 43. Capable de briser des blocs très durs chargés de magie. Armure magique. Armure d'un verre voyant. Fabriqué dans un métal magique. Défense plus 25. Réduit les dégâts causés par les attaques indirectes. Bouclier léger et lumineux, fabriqué dans un métal magique, défense plus 10, réduit les dégâts causés par l'attaque indirecte. Lame de l'aurore, lame fabriquée à partir d'un matériel d'un mystérieux métal luisant comme le soleil. Non mais c'est bon. Non. C'est pas là qu'on les construit ? Je peux regarder combien il me fallait par contre.
Ah, il fallait un canon, d'accord. Je sais pas si ça vaut le coup. Équipement. C'est plein là mon truc. Défense plus 5. Et l'armure de pique, défense plus 21. Je sais pas trop comment ça se place cette histoire, mais... Mais voilà. Nourriture, est-ce qu'on a des choses plus intéressantes à manger maintenant? Ça, ça me plaît. Voilà, voilà. Ensuite, ils arriveront jamais à rentrer ceux-là, hein, je pense. Allons parler à la dame. Équipement, j'y pense. On va équiper ça. Déséquiper ça. Alors voyons voir. Ranger. 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 Rentre chez toi, s'il te plaît. Non mais... D'accord, ça a mis quelques secondes avant qu'on puisse enlever le clic. Alors combien il faut de canon magique? Ah, il faut encore les thermos machin chose. Voilà, alors oui, on va maintenant ce qu'elle m'a dit de beau. Non mais je m'en fous du livre. Non. C'est un sacré beau marteau que t'as là. Comment tu l'as appelé, le marteau de Ella? Je vois que ça... Je vois pas qui ça peut être. Bon, à part le nom bizarre, il a l'air génial. Merci, Tin. Ces cristaux d'énergie renferment la puissance de la glace et du feu. C'est là-dessus que Galilien a travaillé toute sa vie, mais il n'a jamais pu voir le résultat en vrai. Si tu combines les deux éléments, ça produit une quantité d'énergie hallucinante. Comme il savait... Que rien fabriqué, il pouvait pas maîtriser cette puissance. Il est mort avant de terminer ses recherches. À mon avis, les monstres aimeraient bien mettre la sale patte sur cette source d'énergie. Le truc qui me fait le plus peur, c'est ce qu'ils voudraient faire avec ça. Enfin, peu importe. Maintenant qu'on sait fabriquer le marteau d'Ella, on va plus rien à craindre des monstres. Dès que t'es prêt, va au château des monstres avec le marteau et file à cette magmas la raclée de sa vie. Il faut que ça, qu'on arrête ça dès qu'on sera débarrassé d'elle. Je pourrai enfin poser tous ces bouquins et reprendre les haltères. Dites un mot pile. Nouvelle mission. Non. Du coup, on va tenter d'aller voir un petit peu les dégâts que ça peut faire, cette arme-là. Parce que oui, je suis curieux. J'ai pas l'impression que c'est bien plus violent en fait, hein, comme arme.
Voilà, on fait les choses comme ça, hein. Voilà, si je peux entourer la base de ces choses-là, je vais pas me gêner. C'est rigolo. On va avancer, on va aller voir ce qui se cachait dans le coin là-bas. Peut-être qu'on essaiera même de réaffronter le Gugus là-haut. On va tout de même renvoyer tout ça là-bas. Ouais, d'accord, c'est bien de l'obsidienne. Yes! Bon, si avec ça on fait pas des miracles, je ne sais pas ce qu'il faudra. Ouais, bon, écoute. Mais elle est où, Sidebox? Je lui fais bien plus mal qu'avant, mais quand même. Il me fait bien plus mal aussi. J'ai pas eu le temps d'esquiver à nouveau. Ton heure n'est pas venue de quitter ce monde. Dis mon enfant, relève-toi. Ah, nouvelle mission. Mais je peux pas rester là-dessus, je vais aller chercher mes affaires, direct. Au moins je sais qu'il faut pas que je me taque à lui tout de suite. C'est pas une bonne idée du tout. Aïe. Je sais pas comment je pourrais l'avoir lui. Ou peut-être qu'il faudrait que je fasse appel à d'autres personnes, mais j'ai peur qu'il meure trop rapidement contre lui. Si j'avais la certitude de pouvoir créer les objets qu'on avait déjà découverts auparavant, par exemple l'armurerie ou ce genre de choses, je crois que j'irais voir, mais là, pour l'instant, il semblerait que ce soit pas le cas. Je n'ai pas accès aux mêmes étagères, aux mêmes trucs de vestiaire, etc., etc. Voilà, au moins j'ai récupéré ce qui m'appartenait. Et on va aller taper avec le marteau d'Ella sur la machine. Je peux toujours pas la péter. Ah mais non, mais toi tu dégages s'il te plaît. Franchement quoi, faut pas me laisser tranquille un peu. J'ai l'impression de rien faire en dégâts en plus quoi, c'est triste. Quoique si un peu. Il y a un sacré truc derrière là. Bah, il me tue bien comme ça, on est d'accord. Il y a forcément un truc à faire sur ce truc là. J'ai cassé ce qu'il y avait au-dessus, mais apparemment ça casse pas ce dont j'ai besoin de casser en fait. J'ai dû rater un épisode, il y a forcément un truc à faire par ici, on verra plus tard. Il y avait pas mal de charbon, je l'ai pas passé à côté de ça. Et je vois qu'on est déjà à 40 minutes malheureusement. On va juste aller voir ce qui se passe au château et voir si je peux essayer de tuer un maximum de monde par la même occasion. On avait déjà visité.
avait l'histoire de la clé aussi là-bas qu'il fallait qu'on active. Comme quoi, on doit être encore loin d'avoir fini ce monde, mine de rien. Un truc est par là. Alors, on va reprendre notre chemin précédent. Comme si de rien n'était. Quoi c'est encore? Je me suis dit non, ils ont quand même pas fait apparaître le décor. Waouh, j'ai eu peur. Voilà, tout pour moi, merci, au revoir. Comme la dernière fois, on mange un petit bout et on redescend. On va s'équiper de ceci. Mais bon, c'est jouissif par contre le fait que ça marque les choses comme ça. Bonjour. Ah. Ah, ça marche plus. Ça pouvait pas durer éternellement. Aïe. Ouais, par contre, si je tape. J'en fais quand même plus de dégâts qu'à une époque. Hein. Aïe, mais je fais n'importe quoi. Du coup, je vais aller plus vite. Et je fais de la paille. Neige qui réapparut. Ça va, j'ai fait assez de dégâts? Je crois que oui. Pourquoi j'entends la musique par contre? La musique serait pas censée se calmer là? Ou alors le mec il est derrière, non? Je commence à avoir des doutes. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je suis pas rassuré parce que là ça me dit que je peux toujours pas les ouvrir. Donc pourquoi je peux pas? Ah, il y en a là. Viens là, viens. Il y en a d'autres encore au-dessus, d'accord, ok.
Ah, ça l'a tué, j'ai bien failli passer moi aussi. La musique est tellement forte. Il en reste un là-bas. Merci la caméra. Non mais fuis pas. Fuis pas, t'es le dernier pas entre moi et le coffre. Ah enfin, on l'a. Il est à nous. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme étrange? On va rentrer à la base, de toute façon on a dépassé la durée normale de la vidéo. On rentre à la maison. Et voilà, donc cette vidéo va s'arrêter ici, j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller courir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr ou sur mon blog it103.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous, et à ciao tout le monde, et lui, on va lui faire comprendre qui est le patron. Avant de quitter... Voilà. Salut, salut !